Écoute, je suis content de t'avoir parce que tu t'intéresses beaucoup, tu es historien, bon, tu t'intéresses beaucoup aussi à la question autochtone et on va recevoir, on va appeler tantôt un peu plus tard David Boivin qui est un chef atikamekw. Donc, je voulais que tu me fasses un rappel pour mettre la table à cette conversation-là, un rappel historique des revendications autochtones. C'est assez complexe là, comme dossier, mais si tu peux nous rappeler un peu les enjeux qui sont liés à cette question-là. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je ne vais pas aborder la question de la crise actuelle avec, avec les Atikamekw, mais plus essayer de replacer ça dans un continuum. Bon, à partir des années 70, là, je fais un petit topo, je vais essayer juste de donner une idée générale des principaux concepts, des principaux enjeux, et puis le chef Atikamekw qu'on a interviewé tout à l'heure pourra vraiment plus rentrer dans le vif du sujet. Là, je ne veux vraiment pas parler à sa place. Donc, en fait, je dirais la question des revendications des droits ancestraux des Autochtones s'est principalement positionné à partir des années 70. En fait, c'est le livre blanc proposé par Pierre Elliott Trudeau en 1969 qui proposait d'abolir la loi sur les Indiens puis le statut particulier dont ils bénéficient, puis qui est, bon, tout le monde dit que c'est infantilisant puis en fait honteux complètement. Mais donc, il proposait d'annuler ce statut-là complètement et d'en faire des citoyens canadiens, un peu comme il a proposé de le faire pour les Québécois plus tard. Et puis, en fait, les Autochtones, ça a été un peu un onde de choc pour eux. Ils ont refusé en masse de perdre ce qu'ils considéraient quand même pas tant un privilège, mais une marque de leur distinctivité, je dirais. Donc, leur statut d'Indien, comme on appelait à l'époque. Ce qui arrive, c'est qu'à partir de ce moment-là, les Autochtones vont un peu... il va y avoir une mouvance nationaliste de revendication des droits. On va passer par les tribunaux. Donc, dès 73, il y a un jugement, le jugement Calder, qui va reconnaître que les Autochtones bénéficient de droits ancestraux qui restent quand même à définir. C'est d'ailleurs ce jugement-là qui va paver la voie au jugement Malouf dans la même année, qui va poser un stop aux travaux à la baie James, parce que bon, c'est les Cris en fait qui voyaient leur territoire se faire inonder une première fois avec ces travaux-là, qui ont amené ça en cours et ils ont gagné. Donc en fait, dans les années 70, on a déjà une première série de jugements qui reconnaissent l'existence de tels droits en se fondant notamment sur des traités qui avaient été passés précédemment, et puis on remonte jusqu'à la proclamation royale de 1763, où il y avait vraiment une reconnaissance en fait du statut et des droits fonciers et d'occupation du territoire des Autochtones. Donc, en fait, en 1982, dans le processus de rapatriement de la Constitution, Trudeau va intégrer un peu à la dernière minute, puis à la demande des chefs autochtones, la question des droits ancestraux dans la Charte des droits et libertés, comme c'était pas prévu au départ dans les travaux. L'article a été intégré, en fait c'est l'article 35 de la Charte des droits et libertés. Par contre, l'application de ces droits-là et puis leur définition plus précise a été laissée ouverte. En fait, il va y avoir une ronde de négociation qui était pour faire suite à la Charte des droits. En fait, il y a eu justement un égo de 83 à 87 des négociations qui ont finalement achoppé. Donc, c'est en fait une des raisons pourquoi les Autochtones, entre autres, se sont ligués un peu contre l'accord du lac Minch. C'est que l'accord du lac Minch proposait un règlement de la question québécoise, alors que leur propre question était tout aussi fondamentale. Donc, on a, à partir de 1990, bon, évidemment, en 90, il y a la crise d'Oka. C'est à partir de cette année-là, en fait, il y a un premier jugement de la Cour suprême qui reconnaît un droit ancestral. Dans ce cas-là, je crois que c'était un droit de pêche à un autochtone. Mon Dieu, je dirais peut-être du Nouveau-Brunswick de mémoire, mais je suis pas certain. Enfin, donc, c'est à partir des années 90 qu'il y a vraiment une judiciarisation de la question des droits ancestraux et qu'il y a aussi action directe de la part de différentes nations autochtones. Donc, on a en fait, les Autochtones vont passer par la Cour pour faire reconnaître un cadre que les politiciens n'avaient pas, à quelque part, eu le courage de faire passer eux-mêmes. Donc, en 92, il y a l'accord de Charlottetown qui achoppe, évidemment, sur la question Québec-Canada. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'accord de Charlottetown proposait, en fait, un cadre de règlement politique de toute la question de la gouvernance autochtone, donc pas juste la question des droits ou de la propriété de la terre, mais aussi la question de comment ils se gouvernent eux-mêmes et ils peuvent gérer les redevances sur l'exploitation de leur territoire. Donc on a encore là un échec, encore là une succession dans les années qui ont suivi, je dirais donc dans les 20 dernières années, une succession de recours juridiques de la part des nations autochtones pour la simple et bonne raison qu'il n'y a toujours pas de cadre politique et puis chacun des jugements de la Cour suprême pratiquement va
toujours dire que c'est pas à la Cour, c'est pas aux instances judiciaires de régler cette question-là. C'est une question politique qui doit se régler de façon politique. Et en fait, on a au tournant des années 2000 des premiers traités comme en Colombie-Britannique en 98, il y a la nation Nisga, je ne sais pas si je prononce bien, qui va signer la première entente cadre au Canada pour être à quelque part un peu souveraine sur ses propres terres, va administrer un territoire de 2000 km². Un peu plus tard, on a la paix des Braves avec la nation Cree qui va justement premièrement donner des moyens financiers, certains moyens de gestion aussi à la communauté Cree. En échange de quoi ils se sont fait inonder des terres encore avec la construction du barrage East Main et le barrage sur la rivière Rupert. Donc, en fait, on est toujours dans ce non-lieu-là. On revient toujours... la semaine passée, peut-être, j'avais fait un topo sur la question constitutionnelle. D'une certaine façon, la question autochtone se pose un peu de la même façon que la question québécoise au niveau constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a une non-reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaît les nations, mais on ne reconnaît pas les implications de cette reconnaissance-là. On ne va pas comme jusqu'à aller dire qu'est-ce que ça veut dire être une nation, qu'est-ce que ça veut dire en termes de souveraineté, en termes de gouvernance. Et je crois que c'est vraiment comme le cadre général des différentes crises autochtones qu'on peut voir, dont la crise atikamekw aujourd'hui. Qui n'est toujours pas réglée par manque de courage de nos politiciens qui ne veulent pas s'aventurer sur ce terrain-là, qui est un terrain miné, difficile aussi quand même, mais je pense que ça prendrait un jour le courage de tous nos politiciens pour régler cette question-là. C'est fondamental. Moi, je trouve que ça fait partie du contrat social qui devrait être celui du Québec, qui devrait être celui du Canada. Par contre, justement, comme tu dis, il y a un manque de volonté politique, je dirais, pour aller là. Il y a beaucoup il y a des fractures importantes entre les communautés euro-canadiennes, je dirais, puis autochtones. Mais il y a une question de respect, de confiance à rétablir. C'est la base. Faut qu'on aille là. C'est un enjeu qu'on peut pas outrepasser. On va passer un petit extrait, justement, dans le cas qui nous occupe. On tente de rejoindre le chef atikamekw, David Boivin, qui est donc très loin de chez nous.